Plus on s'enfonce dans le sol, plus les roches sont soumises à des pressions considérables. Et lorsqu'on crée un vide, l'équilibre des pressions est rompu. Les formidables efforts qui s'exercent font que les roches se détendent vers ce vide. Elles se gonflent. C'est ce qui se passe quand on creuse une galerie dans le charbon. La section libre va se rétrécir et les roches se détendront d'autant plus que le vide créé sera plus étendu. Par exemple, en un point donné, à un moment déterminé, si le toit descend de 3 cm pour un vide de 1 mètre, il descendra environ du double, soit de 6 cm pour 2 mètres, et de 9 cm pour un vide de 3 mètres. Les roches n'étant pas élastiques, il se produit bientôt des fissures. Puis le toit se désagrège et s'effondre. C'est l'éboulement. Il faut prévoir du soutènement, non pas pour lutter contre la détente des terrains, parce que ce serait impossible, mais pour retarder l'effondrement prématuré. Voici la coupe d'un chantier d'abattage classique, 3 à 4 mètres de large sur plus de 100 mètres de long. À droite, le charbon, à gauche, les roches éboulées, entre les deux, le soutènement. Le soutènement doit suivre au plus près l'avancement dans le charbon. Il retarde l'apparition des fractures et surtout l'éboulement. Au fur et à mesure de la progression, on supprime le soutènement à l'arrière du chantier. Le toit s'effondre. C'est le foudroyage. Heureusement, le soutènement n'a supporté qu'une faible part de la pression théorique exercée par les terrains. On estime que la pression exercée sur le soutènement correspond à peine à quelques pourcents de la pression théorique du toit. En effet, à cet endroit, les roches ont pu se détendre vers le vide et sont en partie supportées par les appuis latéraux. C'est d'ailleurs pour cela que la pression est très élevée en avant du front de taille et en arrière du chantier. Le soutènement, lui, ne supporte donc que les quelques blocs qui se détachent. Pour soutenir le toit, les mineurs se servaient autrefois exclusivement du bois. L'utilisation du bois présente des inconvénients. Chaque poteau ou butte doit être taillé sur place pour être ajusté à la bonne hauteur. Il faut aussi y faire une encoche pour supporter le bois horizontal ou chapeau. Principal inconvénient, pour soutenir le toit, on est obligé de placer les buttes devant le front de taille contre le charbon. Et il est alors impossible d'utiliser les machines à grand rendement qui doivent circuler librement devant le front de taille. Même les couloirs d'évacuation du charbon doivent être ravancés élément par élément. L'utilisation du bois pour le soutènement s'oppose donc à la mécanisation et à la modernisation du fond. Enfin, le bois n'est pas assez compressible. Sous l'effet des pressions, il casse. Au moment du foudroyage, la plupart des bois sont brisés et sont devenus inutilisables. On ne peut pas les récupérer et ils doivent être abandonnés. Le soutènement métallique constitue un progrès considérable grâce au système du porte-à-faux. Les étançons sont munis de rallonges qui soutiennent le toit jusqu'au front de taille. Ce dernier est totalement dégagé de tout obstacle. C'est ce qui a permis de développer la mécanisation du fond. Ainsi, on a mis en service des machines d'abattage telles que les haveuses et les rabots, qui peuvent circuler librement tout au long du front de taille. Ces machines sont elles-mêmes desservies par des engins de déblocage de grande capacité, comme les convoyeurs à raclette, qu'on peut riper d'un seul bloc. Les étançons métalliques sont coulissants. Ils se règlent à la longueur voulue et sont bloqués contre les rallonges.
Ils absorbent les mouvements du toit en cédant à partir d'une certaine pression. Toutefois, les étançons métalliques présentent certains inconvénients. Ils s'enfoncent si le sol est tendre. Il arrive surtout qu'il y ait grippage. Au lieu de coulisser, les étançons se tordent. Au moment du foudroyage, étançons et rallonges sont toujours récupérés pour être replacés du côté du charbon. Mais ils pèsent lourd et leur manutention est difficile. Avec les étançons hydrauliques, on a fait un nouveau progrès. Ils sont plus légers et se manipulent plus facilement. Il suffit de tirer une manette pour qu'ils s'abaissent. Et il ne faut que quelques coups de clé pour les mettre en serrage. Mais ils ont aussi leurs inconvénients. Leur prix est élevé et leurs réparations sont délicates. Enfin, au-delà de leur capacité de coulissement, ils s'écrasent, ce qui correspond à chaque fois à une perte importante. Enfin, il y a le soutènement mécanique, qu'on a pris l'habitude d'appeler soutènement marchand. C'est une étape très importante de l'histoire de la mine. Il en existe différents types. Celui-ci a été expérimenté dans les mines du Nord et du Pas-de-Calais. En voici le principe. Ici, les étançons sont des vérins verticaux qui fonctionnent par groupe de deux en quinconce. Tour à tour, l'un des deux étançons se desserre, avance et se resserre. L'autre étançon jouant le rôle de point fixe, serré entre le toit et le sol. On voit ici ce matériel en fonctionnement dans une mine-école. Mise en mouvement du vérin de ripage. La pile avance en prenant appui sur l'autre pile qui est bloquée. La rallonge est à nouveau serrée contre le toit. Puis, c'est l'autre pile qui prend appui sur celle qui a avancé précédemment, et ainsi de suite. Dans les mines de Provence, où les veines épaisses et régulières se prêtent particulièrement à la mécanisation, on utilise un autre type de matériel. En voici la démonstration en maquette. Ici, chaque pile est formée de quatre vérins verticaux, c'est-à-dire de quatre étançons qui sont solidaires. Chaque pile est reliée au blindé par un vérin horizontal qui lui permet de se tirer vers le front de taille. L'une après l'autre, chaque pile se desserre, avance sous l'action du vérin horizontal et se resserre. C'est l'ensemble des piles restant en place qui forme point fixe, chacune d'elles se déplaçant quand vient son tour. Pendant ce déplacement, rabot et convoyeur peuvent continuer leur mouvement. Ils sont en outre maintenus continuellement contre le front de taille par les mêmes vérins horizontaux. Pour cela, les vérins prennent appui sur l'ensemble des piles bloquées contre le toit. Nous sommes maintenant à Gardanne, dans les Houillères de Provence. Voici une taille de 150 mètres équipée d'un rabot. Le soutènement marchand correspond à la maquette que nous avons vue. L'avance des piles est déclenchée par un mineur. Les piles progressent vers le front de taille en se halant sur le convoyeur. Un homme suffit pour tout commander. Ainsi, les opérations de soutènement, qui étaient si pénibles pour le personnel, sont considérablement simplifiées. Derrière, le toit s'effondre au fur et à mesure de l'avancement.
Les avantages du soutènement marchand sont nombreux. On retiendra les principaux. Il se déplace mécaniquement. On peut donc utiliser du matériel lourd et très robuste. Pour la même raison, on a pu prévoir une surface portante plus grande. Il n'y a plus à craindre d'enfoncement dans le sol. De plus, cette grande surface portante améliore très sensiblement la stabilité. Les renversements du soutènement ne peuvent plus se produire. D'une manière générale, la sécurité des chantiers est améliorée et très peu d'ouvriers sont encore nécessaires pour le faire marcher. Les vérins peuvent supporter 40 tonnes au lieu de 20 à 25 pour les étançons classiques. On voit ici, toujours dans les mines de Provence, mais dans une autre taille, un soutènement marchand d'une exécution différente, mais qui est basé sur les mêmes principes. Ici, le charbon est à gauche et le foudroyage à droite. Tous les avantages du soutènement marchand permettent d'augmenter le rendement, d'où une rentabilité supérieure qui compense une dépense initiale naturellement plus élevée. Le soutènement marchand constitue certainement l'application la plus spectaculaire de la mécanisation du fond de la mine. C'est une formule d'avenir qui est amenée à prendre des développements considérables.